Notre rôle, c'est d'abord celui du principal opérateur retraite. On connaît très bien nos 15 millions de retraités. Et là-dessus, évidemment, on a une responsabilité pour les accompagner, les identifier, repérer le plus tôt possible leur fragilité et les aider à bien vieillir chez eux, au plus près des besoins de la personne. Alors, comment évoluer ? L'évolution majeure, ce sera de porter ces messages de prévention le plus tôt possible, dès le passage à la retraite. Faire de la prévention quand on commence à être fragilisé par le vieillissement, c'est parfois déjà trop tard. Ce que l'on commence à construire, à développer avec le conseil d'administration de la CNAV, c'est vraiment une prévention dès 60-65 ans pour passer les bons messages, repérer déjà des premières fragilités et essayer d'apporter des remédiations avant que les signes de vieillissement et de fragilité ne soient trop lourds.